Bonsoir à tous, c'est Plixo, on se retrouve aujourd'hui sur Oxygen Not Included. Donc aujourd'hui, on va réussir à finir ce truc. Donc le problème, c'est clairement qu'on n'a pas de personne qui soit au bon poste ici, voilà. C'est juste ça le problème. Ce qui serait sympa, ce serait... Je pourrais déplacer Adrien et le mettre dedans. Et le mettre à ce job-là. Je pourrais totalement faire ça. Élevage 5... Et... Ah, il pop même pas parce que... normal, oui. On va regarder. Alors, il peut se mettre... Ici, il est à 6 en farming. De toute façon, on a besoin de quelqu'un en farming. Donc on va attendre que Saïmir soit... On va pas attendre que Saïmir soit fini. On va juste faire échanger leur place après. Adrien, tu peux te mettre ici. Et maintenant, quelqu'un va pouvoir capturer ces animaux. Regardez. Là, ça, il manquait un son, je dirais, mais c'est pas grave. Ils sont capturés et on va pouvoir avoir des œufs. Bon, l'objectif, c'est pas... Non, ils ont été vite. Voilà. Tout ça, c'est fait. On a deux hatches en place. Et normalement, un troisième, peut-être, qui devrait arriver. Troisième qui est arrivé, voilà. Donc, il y a trois hatches ici. Et il peut commencer à s'occuper de des animaux, ce qui est une très bonne chose. Puisqu'ils vont, ils vont devenir moins sauvages. Voilà, état sauvage, 99%. Bon. C'est encore sauvage, mais il l'est plus totalement. Hein, pas totalement. Le fait qu'ils soient au milieu fait qu'ils vont se déplacer plus facilement, on va pouvoir les appeler plus facilement. C'est quelque chose que j'ai vu. Je l'ai vu, je ne l'ai pas fait comme ça de tête en sachant directement ce que c'est. Et ce truc, c'est... Je sais absolument pas ce que ça fait. Non, je ne sais pas ce que ça fait. Bon, un truc important, ce serait de... J'aime pas ce que je vais faire. J'aime pas ce que je vais devoir faire. Mais pour être bien, il faudrait que je mine ça. Le truc, c'est que ça va tomber partout dans la base... Et potentiellement remplir cette zone. YOLO! YOLO! Un peu trop YOLO! Un peu trop YOLO! Un peu trop YOLO! Je m'en doutais que ça allait poser problème. Mais là, y a trop de liquide, voilà. Un peu trop d'YOLO, j'aurais dû laisser ça ouvert. Là on va pomper de l'eau polluée ici. C'est pas une bonne chose. Donc, trop d'eau, ici pas trop d'eau, c'est bon. Bon, j'aime pas ça, on va laisser ces portes là ouvertes. Est-ce que ça suffit? Non, on peut pas nettoyer non plus. Donc ça c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise nouvelle. Mais on va le gérer, pas de soucis, ça va se gérer bien. J'espérais qu'il y aurait moins d'eau que ça. J'espérais qu'il y aurait moins d'eau que ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le top, ce serait d'arriver à... Non, trop de liquide, je peux pas le faire. Ok, donc comment je pourrais gérer ça? Un filtre. Un ou des filtres. Je mettrai une pompe ici au final, je pense. Ce truc ne peut pas fonctionner. Normal, il est sous l'eau. Mais au final, ça marche bien ce truc. Hein. Notre générateur fonctionne bien. On a plus d'énergie qu'il n'en faut. Toutes nos batteries sont pleines, donc on est vraiment bien. Je vais lancer un petit peu de recherche. Les portes logiques. Ça y est, on est arrivé au moment des portes logiques. Et là, ça va être intéressant. Là, ça va être vraiment intéressant. Bon, par contre, ce que je veux faire, c'est que je vais demander un ramassage de tout ça. On va prioriser un petit peu ça. Ok, l'objectif... C'est de dégager toute cette vase. Et de continuer à... De dégager la vase qui est ici. Comme ça, on n'aura plus de production de... Enfin, plus de...
plus de vase qui se reproduit ici, ce qui est un gros problème de cette base. Mais ça ira. Regardez-moi là, des robustes, regardez-moi la vitesse à laquelle ils minent. Et maintenant, je vais demander un ramassage à vitesse éclair parce que... Priorité 9 de ramassage pour la vase. Parce que c'est vraiment un problème. Ce truc est vraiment dangereux. C'est en train d'être ramassé. Le... Ah ! Oh ! Ça, c'était pas prévu. J'avais pas prévu qu'on avait rempli tous les compacteurs. J'avais pas prévu qu'on avait rempli tous les compacteurs. Bon. Les systèmes immunitaires sont retombés. Les systèmes remontés sont... Enfin, sont remontés plutôt. Ils sont remontés à 100%. Donc on est bien. Je devrais autoriser que la vase ici, en fait. Je devrais autoriser que la vase. Minerai brut, non. Sol cultivable, non. Voilà, il n'y a que la vase. Tout le reste est la boue pollueuse. Ouais, tout le reste peut aller ailleurs. De toute façon, ici, c'est ultra contaminé. Ici, c'est... Tout est ultra contaminé, ok. Ça, par contre, c'est grave. C'est bon, c'est réglé. On va avoir de la décontamination à faire, mais... Ça va aller, j'ai confiance. Tout ira bien. Bon, ça, c'est ramassé. Un petit peu de nettoyage ici, si possible. Et tout ira très bien. Donc, organique, voilà. On copie et whoop là! On est bien. Bon, on peut prendre quelqu'un de plus, mais j'ai pas la place pour accueillir une personne de plus. Donc on va pas faire ça. Je suis en train de demander, est-ce que je devrais pas donner l'ordre à tout le monde de se déplacer parce que je pense qu'on va avoir des problèmes assez vite. Au niveau des... Oh ! Capture ! Un de plus ! Un de plus, on peut pas se plaindre. Il y a plein de trucs là. Ok, il y a de l'oxygène. Il y a de la vase, donc je vais la dégager. Et je pense qu'on va pas avoir le choix, il va falloir qu'on se mette à filtrer toute la base. Dégager l'oxygène pollué et le limonchide va mourir au fur et à mesure, mais il va falloir qu'on s'en occupe. Mais pour ça, il faudrait que la base soit scellée au niveau gaz. Et on va pas se mentir, c'est pas le cas. La base n'est pas scellée niveau gaz. Ok. Je vais commencer un petit peu la ventilation avec les pompes, avec la pompe à gaz et autres. Que l'oxygène sorte d'un côté et que le reste sorte autre part. Désolé. Donc, conduite de gaz. On va faire sortir ça ici. Le filtre à gaz prend en entrée ici. Et tout le reste sort ici. Parfait. Maintenant, on va pouvoir tirer le câble. Parfait. Tout est alimenté comme il faut. On va pouvoir commencer à pomper le gaz. Et... celui que je veux sortir, c'est l'hydrogène. Je veux sortir l'hydrogène. Voilà, tous les câblages sont faits.
Construction inaccessible, j'aurais dû m'en douter. Voilà. Tous les caps sont arrivés. On a notre petite farm hatch. D'ailleurs, je vais y mettre des échelles histoire qu'il puisse finir le toit. Il s'en occupe bien. Il s'en occupe bien, donc j'espère qu'on va pouvoir changer de... changer de poste et que ce soit Saïmir qui s'en occupe. Même si actuellement, c'est pas un problème. C'est pas un problème, ça marche très bien quand même. Oula, nouveau hatch. Est-ce que celui-là a été capturé? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a un problème de surpopulation? Des choses comme ça? Je sais qu'il y a un problème de surpopulation, mais... quand est-ce qu'il arrive? Ça, c'est une petite question que je ne connais pas. Je ne sais pas s'ils sont en... s'ils vont être en surcharge... Ah, on est vraiment en... on est en surpression d'oxygène, en fait. On a trop d'oxygène dans notre base. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démolir ça. Et désactiver celle-là. Là, en fait, la base ne peut pas... on peut pas consommer plus d'oxygène que ce qu'on... enfin, on peut pas faire plus que ce qu'on a actuellement. Il faut qu'on consomme plus d'oxygène. Donc, il nous faut plus de gens. Mais où je pourrais poser des nouveaux gens? Par là, ça pourrait être une idée. C'est un petit espace, on pourrait s'en servir. C'est un petit espace dont on pourrait totalement se servir. C'est une idée. Le top, ce serait de filtrer l'air un peu partout. Mais comment je pourrais filtrer l'air comme ça? Soit j'utilise un déodorisant. Soit j'utilise un déodorisant, enfin un air déodorizer. Soit je pompe le gaz et je fais en sorte que ce soit trié. Et j'ai absolument aucune idée de comment faire ça. Faudrait que je mette des pompes à gaz partout, ce serait problématique et ça consommerait de l'énergie pour pas grand chose. Mais le limon shit, c'est un vrai problème. On est presque à vide. La zone est presque à vide. Donc, je vais mettre le générateur à hydrogène. Ensuite, je sais pas si on va avoir besoin, mais je vais en faire un quand même. Que je vais poser ici. Vous allez comprendre pourquoi, parce que il faut que j'en fasse plusieurs. Il faut en faire plusieurs. Les gros câbles. Comme ça. Et les petits câbles peuvent ressortir tranquillement. Comme ça. Est-ce qu'on serait pas en surcharge de en surcharge énergétique? Je pense que c'est possible. Parfait, ventilation, elle va être prête. Et on va pouvoir générer de l'énergie de ce côté de la carte aussi. Voilà, la base va avoir deux sources d'énergie aux deux opposés de la base, ce qui veut dire que ça marche très bien. Lucas, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. C'est peut-être pas une bonne idée, ce truc, ils vont devoir le s'en occuper tout le temps. Donc je vais probablement mettre une pompe. Je vais probablement mettre une pompe et relier l'eau polluée ici. Mais on a totalement géré notre dioxyde de carbone. Nos problèmes de dioxyde de carbone ont totalement disparu. Ce qui veut dire qu'on est bien. On est plus que bien même. On a un petit élevage, j'espère avoir des œufs assez vite. Attendez, comestible. Non, c'est dans l'ingrédient, je crois, les œufs. Voilà, je vais juste pas mettre les œufs.
Non, private print chat, ça par contre oui. Mais les œufs, on va pas les mettre. Et notre eau est passée au niveau que je veux pas. Je vais la réactiver. Je vais réactiver cette pompe, même si j'aime pas le fait qu'on ait de l'eau polluée avec. On a de l'eau polluée, j'aime pas ça. Il y a trop de liquide, je peux pas... je peux pas m'en débarrasser en fait. Je peux pas m'en débarrasser. Il y a presque une tonne d'eau. Il y a 2 tonnes d'eau polluée ici. 2-3 tonnes d'eau polluée, ça va être beaucoup trop. Et ici, c'est juste n'importe quoi. Hop. C'était pas ce bouton-là. C'était celui-là. Que je vais devoir mettre. Alors, je vais devoir faire ça ici. Creuser ça. Alors, ça me fait arriver droit dans un truc de chlore. Est-ce que c'est réellement un problème? On va faire ça. On va faire avec, c'est pas grave. Par contre, chose que je veux installer parce que je l'ai... Je me dis que ça peut être utile. Ouf! Cette barre va leur permettre de descendre partout où ils veulent. Ou alors, c'est ils descendent tout en bas et... J'espère qu'il y a des paliers. Et que c'est pas juste toute une barre d'un coup et... J'espère qu'ils peuvent s'arrêter au milieu de la barre. Sinon je ferai des paliers à chaque niveau, mais... Vous voyez, ils l'utilisent déjà. Ils l'utilisent déjà parce que c'est beaucoup plus rapide pour se déplacer. Ok, là on est à vide. Donc je vais activer ça. Recherche terminée, parfait, on peut avancer. On avance bien là. J'ai vraiment l'impression qu'on avance sur des choses. Point de contrôle et de piquant. Et on va faire ça. Non, j'ai l'impression que c'est toute la barre. Ils doivent descendre toute la barre quoi qu'il arrive. Pour monter, ils sont obligés de monter comme ça, mais je veux juste voir. Non, ils peuvent s'arrêter au milieu, donc c'est pas un problème. Ils peuvent s'arrêter totalement au milieu. C'est vraiment le top. Ce truc produit de l'énergie dans le vide actuellement. Ah, il produit, mais dans le vide. Ça sert à rien, en fait. Oh, c'est un Draco spécial, ça. Un bébé Draco brillant. Mais... C'est cool. Donc, station. Il me faut du métal raffiné. J'ai absolument aucune idée de comment on fait, donc probablement dans raffinement. Produit visible. Raffinerie de métal. Ah. Bah j'ai pas fait la recherche encore, donc visiblement, ça va arriver vite. Elle est où la recherche pour ça? Je vais prendre cette recherche avant. On est très bien niveau oxygène, ouais, c'est moyen. Vous m'avez dit, alors, vous me l'avez dit. Faut que je le fasse, mais les dalles ici font pas assez de ventilation. Ça bloque les flux liquides, parfait. Donc je vais pouvoir remplacer toutes ces dalles. Histoire de faire un flux d'air maximum. Ça va donner un petit peu de boulot à tout. Est-ce que quelqu'un peut juste faire ça? Non, nos hatches sont bien. Ils peuvent manger, donc ils produisent du charbon pour nous. Est-ce qu'on a un peu beaucoup de... Ouais, on doit avoir beaucoup. Attendez. Minerai consommable, charbon. On a presque une tonne de charbon. Ça va monter très vite avec les hatches. J'espère. Je sais pas s'ils sont en surpopulation. Je sais pas où est-ce qu'on voit la surpopulation. Morose. Ses besoins ne sont pas satisfaits.
quel besoin? Quel besoin? Bonheur moins 1. Comment je fais pour augmenter le bonheur d'un animal? Il va falloir que je vois ça. Le bonheur vient de passer à 4. Ok, donc c'est juste qu'il faut s'occuper des animaux régulièrement, sinon ils sont tristes. Donc ça va, c'est pas grave. Donc ce que je me dis moi, c'est qu'il faut que je fasse plus de batterie de ce côté-là. Mais en même temps, je me dis c'est pas une bonne idée de le faire dans cette zone. Parce que c'est moche. C'est super moche, donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer cette zone. De façon à ce qu'on ne le voit pas. Et passer ces petits câbles comme ça. Parfait. Ah, celles-là sont presque vides parce que ce truc produit pas assez. On s'est mis à consommer trop ou c'est moi là? D'accord, il peut vraiment pas travailler ici. Ok, ce que j'espère c'est que ça va tomber dans ce truc sur le côté. Enfin, c'est ce que j'espère. Si ça tombe sur le côté... On s'en débarrassera et on n'aura plus à s'en occuper. Ça, c'est du lisse démarrer. Ça peut être utile, ça pourrait être intéressant de faire du lisse démarrer parce que ça... Alors, c'est pour de la production de vêtements. Mais c'est utile quand même. Toujours trop de liquide. Ah, on peut faire ça ici. Donc, ce serait bien. S'il se met ici, on va pouvoir se mettre à éradiquer... Cette eau polluée, et ça m'arrange totalement. Ah, j'ai l'impression que ça va évacuer l'eau polluée, mais aussi l'eau normale. Ce qui en soi n'est pas trop grave, parce qu'on peut s'en occuper de l'eau polluée. Stop, on peut arrêter ici. Voilà, là on est bien. Il peut livrer de l'eau comme ça, on est bien. Et voilà, on n'aura pas d'eau, on n'aura pas d'eau polluée dans notre stockage. C'est parfait. On est quand même limite au niveau de la flotte, là. On est quand même limite avec ce truc-là. On est au tout bord de ce qu'on peut faire. Ah, mais cette eau, elle est à 51 degrés. Elle est beaucoup trop chaude. Il faut que je trouve un biome de glace. J'ai pas le choix, il faut que je trouve un biome de glace. J'aimerais bien éviter de partir dans une zone où il y a trop de limonchite. Même si j'ai la mauvaise impression que je vais pas avoir le choix, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de partir par là. Hop. Non, je sais pas ce que je voulais faire, mais c'est cool. Si je peux éviter que trop de gaz s'échappe, je vais pas mentir, ça m'arrangerait. Je vais arriver à la poser cette porte, hein. Promis, je vais y arriver. Voilà. Qu'est-ce que dit l'oxygène? L'oxygène n'est pas suffisant ici, hein, maintenant. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est passer de la ventilation... Non, non, retour en arrière, voilà. Et faire sortir un petit peu d'oxygène ici. Et je pense que ça suffira. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On a commencé à prendre des dégâts, visiblement. On a commencé à prendre des dégâts sur notre câblage électrique. Ce qui me force à penser qu'il faut que je coupe mon système électrique. Que je mette une batterie quelque part.
pour couper le système électrique. Je pourrais mettre une batterie tout simplement ici et elle serait très bien. Ouais, j'ai pris des... Le système électrique a pris des dégâts, donc... Je vais couper le système ici. Tant que ce truc produit de l'hydrogène, on est bien. C'est pas suffisant. Il produit pas assez d'hydrogène. On produit pas assez d'hydrogène avec ce truc. On produit pas assez d'hydrogène pour alimenter tout notre système électrique. C'était une erreur. J'espérais qu'on pourrait, mais visiblement, on peut pas. Bon, c'est pas grave, les plantes vont repartir, c'est pas un problème. Ce qui m'embête, c'est vraiment qu'on... J'aimerais bien avoir plus d'hydrogène, mais on n'a pas de quoi le... On n'a pas de quoi faire tourner le générateur à hydrogène assez longtemps. Mais l'oxygène de la base est plutôt bien. On est plutôt large. Ici, c'est un petit peu limite, mais... Ouais, on a que 1 kg, c'est pas énorme. J'espère que ça va se stabiliser, ça devrait normalement, mais on va voir. Ici, la pression est parfaite, en tout cas. Donc. On n'a pas à s'en inquiéter. On n'est pas encore en surpression ici, donc. Tant qu'on n'est pas en surpression ici, c'est que la base n'est pas encore... C'est que tout cet espace est encore pas rempli d'oxygène. Poste maîtrisé. Il y a des postes qui ont été maîtrisés. Est-ce qu'on peut enfin des... Non, Saïmir n'était pas encore... Plombier, Lucas... Hop, tu peux le faire. Chef cuisinier, tu peux devenir chef cuisinier, Burn, tu peux. Étudiant en art, Savouz, bah, tu peux devenir une artiste totalement et entièrement assumée. J'ai peur de les faire monter plus haut. J'ai personne qui est plus haut que ça. Et j'ai peur qu'ils demandent des qualités trop élevées. Sachant que la base, elle est pas moche, mais si, elle est moche. Là, c'est clairement moche. Donc, il va falloir s'en occuper. Ok, cette porte a été construite. Pourquoi tu... Ok, tu te déplaçais. Non, c'est normal. Pas de souci, tout va bien. Ok, donc je vais faire un sas manuel ici. Et je vais commencer à miner droit par là. Enfin, c'est l'idée. J'ai pas besoin de plus, donc hop. Voilà, des robustes à pouvoir se mettre à l'exploration et autres. Poste maîtrisé, normalement, il n'y a plus de soucis. La nourriture s'est détériorée. Ah, c'est pas cool, ça. Oh, un œuf. On a un œuf de hatch. Ce qui veut dire que je peux totalement commencer à faire... Des omelettes. Visiblement, ils sont pas motivés. Donc, je vais faire les omelettes tout de suite. Et faut que je pense à changer les deux. À échanger. Ce qui va être un peu chiant. Je pense qu'il va me falloir une deuxième... un deuxième grill électrique pour... une pour les pinchas et... Enfin, non. Les pinchas, les fleurs velues et une pour les œufs. Je pense que c'est ce qui va être obligatoire là. La Bird est motivée, hein. Il est super motivé, je trouve. On a notre production d'oxygène ici. Notre eau va bien. C'est surtout le gaz qu'il faut que je vérifie. Non, ça va. On produit juste pas assez d'hydrogène en fait. On produit pas assez d'hydrogène. Bon, le limonchide, c'est vraiment une catastrophe, mais ça se maintient, enfin, ça se contrôle pour le moment.
Ok, tu peux récupérer le poivron Pinchas si tu veux. Je suis tenté de faire mon élevage de Draco. Je suis même pas tenté, je vais le faire. Je vais faire l'élevage de Draco. Même taille que l'autre. Pas de jaloux. Je peux totalement passer ici, donc on va pas s'en inquiéter. Voilà, là on a des trucs, on peut capturer ce Draco. Ce qui va être une bonne chose, je pense. Et si je peux percer ici et récupérer, récupérer ces Dracos-là, ce serait bien. Est-ce que c'est respirable par là? Pas du tout. C'est pas du tout respirable. On a de la phosphorite, oui, c'est normal. C'est ce truc, les Dracos produisent de la phosphorite. Non, rentre pas dans la base, c'est bon. Ils produisent de la phosphorite, donc il va falloir qu'on fasse attention à ça. Mais ils produisent que quand ils se nourrissent de quelque chose. Oh, un autre œuf. Un œuf de Draco brillant. Donc, les œufs de Draco, les Draco brillants, c'est une espèce spécifique des Draco. Absolument aucune idée de ce qu'il a fait de spécial, mais c'est une espèce spécifique. Ah, cool, on va récupérer quelques graines de peau au passage. On a de l'Oxylite ici qui s'est remis à active, donc. C'est-à-dire qu'on a des choses à faire. Il y en a deux qui se sont enfermés de ce côté-là, mais ça va le faire. La production est rapide. Ce qui est plutôt rassurant. Je vais pouvoir démolir cette case. J'aime beaucoup le fait qu'il puisse totalement sauter de n'importe où dans la base et aller ici. Enfin, descendre sur tout le long. Ça les accélère quand même beaucoup. Il va falloir que je fasse une zone d'overflow pour mes animaux. Par exemple, s'il y a trop d'animaux, qu'on puisse les tuer pour faire les générations, vous voyez, et puis faire de la nourriture au passage. Hein. C'est la dure loi de l'élevage. On peut le faire. Deux niveaux, on va avoir deux niveaux, un niveau pour chaque type d'animaux, c'est vraiment une bonne nouvelle ça. Est-ce qu'ils sont... Oui, ils sont contents. Ben, ils commencent à être contents et ils sont en reproduction 85%, donc c'est vraiment bien. Ah non, là on est vraiment bien, ça avance. Ah, tout ça avance bien, on va pouvoir commencer à capturer les Dracos. Et ça, je sais absolument pas comment m'en occuper, mais... On va trouver. Donc, c'est dans les stations. Non. Alors, ça, c'est dans nourriture. Voilà. Dépôt de créatures, c'est dans nourriture. Pourquoi? J'en sais rien. Je vais faire ça, mais je vais pas le setup. Et je crois qu'on est bien. On va juste dire que c'est les Dracos ici et on sera bien. Parfait. On a du minerai de fer. Alors ça, il va falloir que je le raffine, je pense. Mais sur cette installation et sur ce fonctionnement de nos fermes, elles fonctionnent, elles sont au top. Bon, on a plus d'eau. C'est cool, ce truc fonctionne, on a plus d'animaux. Je vais le faire tout de suite avant d'oublier ce que c'est. Draco, bébé Draco. Voilà. Je crois que j'ai tous les Draco. Voilà, parfait. On est bien. Mais sur ce, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne. Mais sur ce, à dans la prochaine vidéo !